Bon plan, ah ouais. Aux ordres des arbitres, on va pouvoir partir. C'est ce qu'on envoie donner. Ça va être ramassé par. Et non, ça va pas être ramassé par Paredes. C'est ramassé du coup par Cédric. Adrien, Cédric, Paredes. Zoé. Paredes. Qui trouve là-bas Adrien qui n'a pas de solution. Cédric. Cédric qui tire et validé à Cédric. Allez, au lancer. Julien Vincent, Raphaël Delmot qui boxe. Priorité de ramassage pour Loire-sur-Rhône. Et Eve qui va aller ramasser ce ballon. Chose faite. Elle trouve Raphaël, Eve. Lison, Eve. Eve est partie. Et but. But validé à Eve. L'alignement est en place du côté de Loire et du côté de Chambly. C'est parti. C'est Zoé qui. Alors, je pense que c'est oui, considéré comme un ballon boxé. De toute façon, il y avait un avantage sur la touche pour les blancs. Et comme ils avaient annoncé un avantage, ils ont préféré effectivement laisser jouer plutôt que de revenir à l'avantage sur une pétrole et d'arrêter le jeu. Et donc, c'est parti, Cédric, c'est Zoé, Cédric. Cédric qui cherche une solution et qui ne trouve pas. Zoé qui s'enfuit au milieu. Hop, intervention des arbitres. 3 verts. Julien qui s'est ravisé. C'est au dernier moment, il a été obligé. Et non. Paris avec Michael. Michael, hop, le sol. Et oui. C'est... Allez, Eve. Julien. Martin, Julien. Le tir à la route, Julien Vincent. Et attrapé par Julien qui la botte de son côté. Numéro 1, Nathan, numéro 2, Clément. Pas le sol. 10, non, numéro 4. Non, et bon, ramassage, c'est fait. À pouvoir réorganiser, rentrer avec ses camarades. Avec Martin et Julien. Représenté par Oscar, le numéro 1. Julien, Eve est partie sur la gauche comme tout à l'heure. Est-ce qu'on va la elle a tenté de donner un Lison. Et Lison, elle a pas pu attraper le ballon. Allez, Lison. Julien. On va partir à Zita Sar. Julien. Martin qui fixe, qui trouve personne. Balle au sol, qui va ramasser, la balle est encore sous les. Elle était sous elle, elle a failli l'attraper, elle n'a pas pu, mais c'est Julien. Ouais, c'est Thibaut qui va se présenter pour effectuer la touche avec en première ligne Oscar et en deuxième ligne Lucas. C'est Michel avec Zoé. Et ouais, c'est Margot. Zoé qui va trouver Paris. Paresse, Michael. Non, ça rentre, on va réorganiser. Michael, on va faire par Lison, mais il apparaît sans se dire. Bien prise par la défense de l'Italien, qui va être obligé de ressortir. De toutes les fois, ils prennent leur temps, les gens de leur champ, ils se précipitent pas trop.
Allez, Paz, Poiret. Avec Zoé. Zoé aussi. On ne peut pas tirer ici. On va pas tirer avec Lison là. Lison. Il empêche bien de ressortir. Paz qui récupère le ballon. 3 minutes à jouer. 2-1 pour. Loire. Ballon seul. Ballon qui tombe. Qui va être le premier à battre Lison. Lison qui. Ramasse, elle a soutien tout de suite à Julien. Julien qui a essayé de trouver non, la petite Eve, il y avait quelqu'un accroché à Eve. Je crois que c'était Fares là, qui avait bien vu. Donc une petite passe en retrait sur Thibault. Est-ce qu'on peut partir de là? Oui, c'est peut-être le dash avec Julien. Il remarque. But validé à Julien Vincent. Et là c'est toujours l'équipe de trois blancs, c'est offensif. Est-ce qu'elle a décidé à chercher? Oui, c'est touché par la défense. Et Thibaut récupère ce ballon et marque le premier but du West Aveyron dans ce match. Il égalise le score. Et 8 secondes, allez, la balle dans les mains de Julien. Julien, et but, il est à Julien Vincent. Sur le long, pratiquement, 4 ans. C'est parti. Et voilà, l'avantage. Ah non, il a essayé en tout cas. Martin. Sur ce terrain numéro 2. Lison, elle lui a montré comment ramasser un ballon. 5 donc à la mi-temps. Julien, Eve, Julien. Ouais, tout à fait, on a vu l'équipe de Marchand relativement dominante quand même là dans tous les secteurs de jeu. Eve. Sur la touche, sur la défense, ils ont été très très solides. Eve, Eve qui trouve l'ISO. L'ISO qui tire à but. Validé. En deuxième période. Ouais, je crois. On va le voir. Très rapidement. Allez, c'est lancé, boxé. Boxé d'or. Allez, Raphaël, Eve, Julien. Julien qui tire, qui marque, but validé à Julien Vincent. Allez, qui va prendre, hop, intervention des arbitres. Allez, Martin, Lison, Martin, Julien qui est parti, qui tire, qui marque. Et encore un but de Julien sur l'aile gauche. Allez, bien, pour l'instant on est patient. Hop là, allez, il faut qu'il bouge un peu là sur l'alignement. Cédric qui a récupéré le ballon. Zoé, Adrien avec Zoé. On n'a pas assez le ballon et chaque fois ça touche. Raphaël Garat derrière avec Lison qui va essayer de trouver la main devant. Non, elle ne peut pas. Lison tout de suite avec Julien. Julien, Lison. Et hop, voilà, tir raté de Lison, récupéré. Non, pas par Raphaël, j'ai cru. Et c'est récupéré derrière par Martin. Martin qui s'est secoué là par les Chamblisiens et qui reste à cheval. Lison avec Raphaël. Raphaël, Lison. Lison. Alors là, un petit peu. Également les armées à la table marque. Tout est prêt. On va pouvoir repartir. Et c'est bien l'équipe de l'Ontario avec le numéro 1, Oscar, qui s'est essayé et qui a bien réussi. Tire le but de Paris. Oh la petite par le pitbull et le shoot vert. On peut apprécier toute l'action récupéré par Martin, 20, Julien, Eve, Raphaël. Et Raphaël qui dépose Zoé sur le demi-tour. Eve, Martin qui tire, la combinaison. Et le validé à Martin Partanski. L'équipe du Lotharion qui n'en ont duré que quelques minutes. Allez, c'est pas qui compte. Et trois blancs, le Sandler, il rentre de l'alignement. Il a le ballon à présent au milieu de terrain, il tourne.
Il va combiner avec Margot. Margot, sur l'aile gauche, tu retournes. Alors, il passe rien du tout. Parce que on assiste à une défense bien plus présente. Allez, Raphaël. Qui trouve le ballon qu'il a transmis à Oscar sur le côté droit, qui a trouvé devant lui. Cédric. Il y a Lucas qui passe, qui croise derrière lui. Oscar qui va recroiser, qui va transmettre sur le côté droit, c'est bien trouvé Marion. Est-ce que le numéro 2 est vite tenté un shoot? Non, malheureusement, parce que son cheval a une trajectoire un petit peu trop éteinte. Il s'est conservé son ballon, trouver une solution peut-être. Attention, il faut aller l'aider parce que c'est un ballon trop longtemps. C'est pas un carré de la carrière. On a Margot qui traverse. Allez, c'est parti, Elle trouve vite sur la droite, qui passe les bras, qui shoot. Intervention de messieurs les arbitres. Julien, Martin, Eve qui tire et qui marque. 10-1. Allez, c'est lancé, c'est attrapé par Zoé. Allez, Zoé, Cédric. Le temps, 7 minutes 41 à jouer. Michael, le score, c'est plus de 2 minutes de marchand. Cédric, paresse pour Zoé. Pénalité 4. Oui, tu fais arrêter le ballon par Martin. D'accord. Martin qui tente. Ah oui, avec Julien. Le shoot sur l'arceau. Disons un massage. Thibaut qui va être la remise en touche. C'est bien anticipé par le joueur de Marchand, mais un petit peu trop anticipé finalement. Thibaut. Il a bien eu le jeu. Il s'est passé droit entre les deux, il s'est un peu fait oublier, il a juste eu à tendre le bras. Allez, Clément, vite. Ça, c'est très bien joué de la part de Paul Lévy dans les voies depuis tout à l'heure. Il combine très très bien. Et Martin, une nouvelle fois là, il a failli anticiper ce ballon, mais c'est bien récupéré par Oscar. Flora qui va rejouer avec son capitaine. Eve. C'est Thibault qui est en retrait. Le numéro 11 qui a été décidé. Il est tout seul. Il va tenter un cheval. Un cadeau qu'elle a fait là, Eve. Un petit peu compliqué là. Plus que compliqué. Il va rentrer directement dans le marché. Il va partir en contre-attaque. Il va donner un peu de son corps. Tout à fait là. Et on a Maxime. Allez, Eve. Eve avec Raphaël. Et c'est une formalité pour Maxime. Avec Lizoro. Et bien, Eve avec Lizoro. Et bien, Eve avec Lizoro. Ah, 7 buts alors qu'il reste un peu plus largement. Seconde. 9 buts. Boxé par Nathan dans son camp. Maxime qui remonte ce ballon avec Paul. Paul qui hésite un peu et qui va décider finalement de rentrer avec Clément. Nathan, à la maison. Allez, Paul à nouveau. Paul, Maxime.